prochaine. Hein. Ça fait la 7e fois donc, que je reviens dans ce salon. Ce qui nous motive pour la venue de ce salon, c'est nos clients. Faire découvrir nos produits. Parler de notre fabrication, ça oui, c'est intéressant. Je ne pensais pas avoir autant de succès. Chaque année, ben, on revient, voilà. Et on est pleinement satisfait parce qu'on trouve tout ce qu'on cherche. De nous voir là, donc c'est rassurant parce qu'il y a tellement une sélection draconienne, vraiment, tout ça et tout. Je pense que vous allez se dire, si vous êtes là, c'est que. Je dis, oui, c'est vrai que c'est tous les produits qui sont là, c'est pour être prestigieux. Monsieur, ça, c'est un assemblage de toute poire et de rhum en vrai, disons. Provence Prestige, c'est avant tout la garantie pour les visiteurs de trouver des exposants et des produits authentiquement provençaux. Il y a 20 ans, il y avait déjà une signature d'une charte de qualité et c'est aussi un travail permanent depuis 20 ans puisque toutes les années, le salon est remis en question, on revisite l'ensemble des 150 exposants, on valide parmi les 200 demandes, voire plus, quels sont les 10, 20 ou 30 qui pourront exposer. C'est les seuls organisateurs qui sont venus à l'improviste dans mon atelier. J'étais en train de travailler, ils sont venus, bonjour, Provence Prestige, on vient voir. Ça m'a agréablement surpris. Provence Prestige, c'est aussi une garantie pour nos clients, où qu'ils me trouvent, parce que je peux servir des clients sur Paris qui connaissent Provence Prestige. Nous sommes présents sur ce salon parce que nous avons une très belle retombée déjà économique et puis parce que nous avons une très belle clientèle. 2 millions d'euros sont dépensés pendant les 5 jours sur le salon. 5 millions d'euros seront dépensés après grâce aux retombées du salon. Il y a l'alimentation, il y a la création, il y a tout. Et je pense que ça fait un bon amalgame des deux. Nous venons parce que nous y trouvons les choses qui nous conviennent, qui sont variées, qui sont bonnes, surtout dans le domaine de la gastronomie. On ne fréquente pas beaucoup de salons, mais celui-ci, nous sommes vraiment des fidèles de ce salon. Depuis 5 ans, nous venons régulièrement. On a un petit peu hésité au départ parce que le salon est un petit peu réticent, mais c'est vrai qu'on a accroché tout de suite et on a trouvé vraiment ce qui nous convenait. Suite à la première édition internationale de Provence Prestige à Bruxelles, eh bien, nous avons pu constater, grâce aux témoignages des commerçants en Pays d'Arles, que cette année, ils avaient remarqué une augmentation de la clientèle belge. Pour moi, Provence Prestige, c'est le salon où je finis Provence Prestige et je pense à Provence Prestige 2015, et ainsi de suite. Parce que c'est vraiment la vitrine. C'est ma vitrine.